todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie ? Il y a un animal en danger. Peut-être des chasseurs. Carmen, vas-y ! Allez, allez, tu vas y arriver. Respire et pousse quand je te le dirai. Allez ! Allez, vas-y, pousse, pousse ! Serre-moi la main et broie-la si tu veux. Le bébé va bientôt naître. Allez, pousse ! Allez, maintenant, pousse ! Rinaldo, Rinaldo, le bébé est de côté et le cordon l'empêche de se redresser. Il a été piégé, papa. C'est par ici. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, Anna Julia. Eva, prépare-moi la salle d'opération, s'il te plaît. On va opérer. Non, non, Rinaldo. On n'a plus le temps. Le cordon est en train de l'asphyxier. Écoute-moi, Carmen. Carmen, écoute-moi bien. Écoute ce que je vais te dire. Il faut que tu m'aides. Il s'agit de notre petite fille et on ne va pas l'abandonner, Carmen. Il faut que tu fasses tout ce que je vais te dire, d'accord? D'accord? Calme-toi. Calme-toi, allez. Mon Dieu, aide-moi. Si tu ne veux pas me donner d'enfants, d'accord. Mais ne les reprends pas comme ça. Aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Il est par ici, pas vrai, papa? Exactement, Chuck. Il est là. Tranquillise-toi, il est là. Papa... Il est là. Il est là, mais il est blessé, papa. Non, il va bien, Chuck. Il est tombé dans un piège, il est bloqué, mais il va bien. Je l'ai. Je l'ai, j'ai réussi à enlever le cordon. Je l'ai, oui. Maintenant, on y va. Pousse de toutes tes forces. Vas-y, pousse. Allez, pousse. Allez, allez, Carmen, elle arrive. Tiens bon, Carmen, il faut que tu respires. Respire. Allez, allez. C'est ça, allez, pousse. C'est ça, c'est ça. Ah, la voilà, la voilà. C'est une petite fille, et elle va être énorme. Et je veux que ce soit moi son parrain, hein. Qu'elle est belle. Attention,
Voilà. Tu peux le prendre à la maison ? Charlie. Non, Charlie. Je sais que t'en prendrais soin, mais... Ramène-le plutôt chez sa mère, hein ? Viens, petit singe. Viens. Allez, Charlie, vas-y. Petit singe, viens. C'est un bébé magnifique, Carmen. Alors elle s'appellera Anna Julia, comme vous, docteur. Anna Julia ? Non, pas Anna Julia. Pas Anna Julia. Je propose un plus beau nom. Esperanza. Parce que c'est ce que je suis. L'espoir. Je ne rêve que d'une chose. J'espère que Dieu va m'envoyer enfin ce que je désire tant. Un enfant. Allez, lève-toi, toi! Cherche-le! Allez! On va prendre la pirogue! Allez par là, on se bouge là-haut! Où est la pirogue? Où est la pirogue? Là-bas en bas, là-bas en bas! Je les vois! Allez, allez, vas-y! Oh! Jusqu'à quand, Damien? Jusqu'à quand je vais devoir te tirer d'affaire? Merci beaucoup. Hein? Mon pote. Ouais. Un petit cadeau. Merci. Ah, merci, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Merci. Tout ce travail pour ça. Écoute, Rebecca, je crois qu'il faut vraiment se mettre à la place d'Anna Julia pour comprendre ce qu'elle ressent. J'imagine que ça ne doit pas être facile pour elle. Tu te rends compte, une fille qui a toute la vie devant elle... Bonjour, qui est si Valéria. Jolie. Bonjour. Rebecca, j'ai le rapport. Je te l'envoie par la poste. Merci, Alcazar. Merci bien. Un mari qui l'adore et elle ne peut pas lui donner d'enfant, tu te rends compte? Eh bien oui, évidemment. Surtout pour quelqu'un comme elle qui rêve d'être maman depuis qu'elle est toute petite. Mais... je ne sais pas, moi. J'ai l'impression que, d'après les analyses qu'elle est en train de faire en ce moment, le traitement devrait pouvoir lui permettre de tomber rapidement enceinte. Même s'il faut qu'elle passe 9 mois au lit. Ah mon Dieu, j'espère. J'espère. Si je pouvais... si seulement je pouvais me sacrifier pour... eh bien, pour faire comme elle a fait avec moi, quand elle m'a donné sa moelle pour faire la greffe. Je te jure que je le ferais. Je te le jure. Tu sais, je ferais n'importe quoi. Rebecca, j'ai besoin de ta signature ici. Oui ? Comment ça va ? Voyons, docteur, vous pouvez me dire ce que je vais faire de toute cette admiration que je ressens pour vous ? Ah, mon amour,
Ne me dis pas ça. Alors dis-moi, comment peux-tu autant admirer une femme qui ne peut pas te donner d'enfant ? Non. Non, ne dis pas ça. On ne nous a pas encore donné les résultats des analyses, hein ? Ma jolie colombe. Et si toi et moi, on ne peut pas avoir cet enfant qu'on désire tant alors ? On adoptera. Tu imagines ? Comme ça, on concrétisera notre rêve d'avoir plein d'enfants de notre beau pays. Un petit métis, un petit noir, un petit indien et une jolie rousse comme toi. Deux rousses. D'accord, deux rousses. Bon, en parlant des analyses, les tiennes sont arrivées. Ah oui, ça y est, on te les a données. Oui, dis-moi oui, ce que ça donne, s'il te plaît. C'est parfait, tout est parfait. Tout est absolument parfait. Parce que la moelle qui a été greffée est en train de fonctionner merci, parfaitement. Merci à toi. Et l'altération chromosomique n'est plus là. C'est négatif. Ah, mais c'est génial. Alors tu peux être contente, ma chérie. Mais quelle bonne nouvelle. Tu te rends compte, mais tu te rends compte de ce miracle. Et ce miracle, c'est grâce à Anna Julia. Mon Dieu, j'espère que la vie me donnera un jour l'occasion de rendre l'appareil à ma meilleure amie. Après tout ce qu'elle a fait pour moi. Oui, je t'assure, peut-être je le un jour. J'adore quand le fleuve est comme ça, calme, et que le ciel peut s'y refléter. Et moi, je suis toujours surpris de voir quelqu'un qui ne peut pas voir, mais qui peut quand même sentir tout ça. Je le sens au fond de moi, papa. C'est comme si le fleuve me racontait ses secrets. Charlie, tu crois qu'un jour, il te sera possible de me pardonner ? Ah, papa, tu recommences avec ça. Y a rien à pardonner. Si on a dû s'échapper dans la forêt, c'est pas ta faute. C'était la seule façon de survivre. Oui, Charlie, mais de quelle manière ? On doit tout le temps bouger, et cette angoisse tout le temps de voir arriver la sentence de Gabaldon, et que ton bonheur s'effondre. Non, papa. Mon bonheur, personne ne peut me le prendre. Tu vas voir que tout va s'arranger. On va pouvoir y retourner. Tout comme je peux sentir ces choses bizarres, différentes, le fleuve, le ciel. Je peux aussi sentir que des choses importantes vont arriver. Et j'espère que ce sera ce qu'on attend tous, la justice. Au nord ou au sud ? Au sud. Et hors de la zone touristique. Bah, ce sont peut-être des scientifiques. Oui, chérie, c'est possible. Mais je n'aime pas voir cet hélicoptère par ici. Bon alors attention, on va bientôt atterrir. Arcadio, on atterrit dans la clairière. Sébastien n'a pas appelé. Non monsieur, c'est le seul de vos enfants à ne pas avoir confirmé sa présence à la cérémonie de ce soir. Il est capable de ne pas venir. Évidemment. Comme je le gâte parce que c'est le plus faible et qu'il a grandi sans sa mère, il n'en fait qu'à sa tête. Vous voulez que je vous apporte un thé avec vos comprimés contre l'ulcère ? Non ! Oublie les comprimés et l'ulcère. Apporte-moi un café. D'accord, je vous l'apporte. Et pour moi avec un peu de lait. Faites-le vous-même. C'est fou la vie, Chico. Si on avait pu me dire un jour, il y a 25 ans, que on me rendrait hommage pour ma carrière d'entrepreneur, tu sais ce que j'aurais fait ? Quoi ? Eh ben, j'y aurais cru. Et dire qu'il y a des années, j'ai failli tout perdre à cause de ce policier. Comment il s'appelait déjà, Chico ? Vallardo Santa Cruz. Vallardo Santa Cruz.
un homme admirable. Pas vrai, Checo? Droit. Courageux. Mais incorruptible. J'espère qu'un jour je le retrouverai. Et ce jour-là, je te jure que je le tuerai. Tout ça, c'est le chargement. C'est bien que ce soit cette nuit, c'est dégagé. Ah, le spectacle va commencer. Ah, c'est une tactique de commando. Mais cette guerre n'est pas menée par deux hommes. Pas du tout. Non, ça n'est pas une guerre. Ce n'est pas un peloton. C'est un homme seul, un dégénéré. Un prédateur de la jungle. Qui exploite les mineurs et les Indiens à fond. Et qui arrache la richesse du sol. Contamine les fleuves. C'est pour ça qu'il faut frapper là où ça fait mal. Sur les diamants qu'il veut vendre de l'autre côté de la frontière. Et après ça... Encore plus. Encore plus. Doucement avec ça. Cayman, là-bas, à Caracas, je m'en suis pris aux intérêts d'un homme puissant. Très puissant. On m'a accusé d'avoir assassiné ma propre femme. Ils ont mis un pistolet sur le lieu du crime. Et toutes les preuves de l'affaire étaient contre moi. Ce sont ces gens-là qui m'ont fait fuir dans la jungle. C'est la seule chose que je pouvais faire. Pour sauver la vie de ma fille. De ma petite fille. Je sais pas ce que tu as fait là-bas. Mais bon, Attilio, c'est autre chose. Attilio, bah non. C'est vraiment le diable en personne. La police ne croit pas au diable. Alors sois prêt. Parce que ce soir, Cayman. Ce soir, il y a des feux d'artifice pour la fête. Et ça va péter là où ton chef s'y attend le moins. Fais attention. Fais attention, hop. Hey, ça va? Ah, s'il te plaît, donne-moi une bonne nouvelle. Dis-moi qu'on t'a enfin donné les résultats, s'il te plaît. Pas encore. Oh. Mais Corinna ne devrait pas tarder à me prévenir. Ok. Ah, mon Dieu, j'espère que cette fois, ça va aller. Tu imagines si ça ne marche pas? Ah, s'il te plaît, c'est bon, il faut positiver, d'accord? Ça oui. Va marcher. Écoute, il faut que tu te dises que vous le méritez, et bien plus encore. Tu verras que dans un an, nous serons tous les trois, toi, Reynaldo et moi, en train d'organiser le baptême de votre enfant. Oui. Alors s'il te plaît, tu positives, Anna Julia. Je te promets. Promis? Que je vais positiver. Vraiment? Oui. Fais voir, Brian, si tu arrives à faire comme moi. Tu arrives à faire comme moi? Fais comme moi. Tire-moi la langue. Tu t'es lavé les dents aujourd'hui? On dirait que non. Nettoie-moi ça, s'il te plaît. Et l'école, comment ça va? Ça va. Tout roule? Oui. Oui? Et le football? Bien aussi. Respire profondément. Expire. Dis 33. 33. Redis 33. 33. Combien c'est, 33 et 33? 66. Ah, alors ça marche, l'école. Hein, c'est bien. Fais voir. Lève tes bras. Fais voir. Mais tu fais des haltères ou quoi? Hein? Hein? Mais ça ne te fait pas de chatouille? On fait comment alors si ça ne te fait pas de chatouille? Bon, tout va bien. Trina, s'il te plaît, tu peux le rhabiller. Ah, ah oui, j'oubliais. Tiens, prends ça. Ce n'est pas un ballon de foot, mais si tu arrives à bien jouer avec cette balle, eh bien, tu vas être le prochain Ronaldinho. Tu as vu ça, hein? Il est né prématurément, mais tu as vu comme il va bien. Nous, les médecins, en général, on ne parle pas de miracle. Mais lui, c'est vraiment un vrai miracle de la vie. Oui. Et ma pauvre sœur qui ne peut toujours pas en avoir. Elle va si mal qu'elle songe à aller dans un autre pays pour utiliser une mère porteuse. Reynaldo,
Tu crois que c'est une solution? Ah, parfaite. Bien froide, comme j'aime. Sébas, ce monsieur sait ce qu'il fait, hein? Mon amour, il connaît le fleuve comme la paume de sa main. Ne t'en fais pas, hein? C'est comme si on était chez lui. Ouais, écoute, mon pote, en parlant d'être chez quelqu'un, ton père va être furieux quand il va savoir que tu vas pas aller à la cérémonie en son honneur. Écoute, c'est pour ça qu'on a inventé les portables. Allô, papa? Où est-ce que tu es, Sébastien? Dis, tu te souviens que je t'ai dit qu'on allait en balade? Bon, eh bien, il a plu à verse et... je ne crois pas que je vais pouvoir aller à la cérémonie. À ce que je sache, tu es parti en hélicoptère, pas en bateau. C'est la même chose, papa. Le moteur de l'hélicoptère est trempé à cause de la pluie. Mais là, on a envoyé quelqu'un chercher un mécanicien. Et là, on l'attend. Je veux que tu reviennes tout de suite à Caracas. Passe-moi le pilote. Papa, le pilote est aux toilettes, Mais je lui dis de t'appeler dès qu'il sort. Je ne pense pas qu'il m'a cru. Mais bon, fallait bien que je trouve quelque chose. On verra bien. Ce garçon va vraiment me rendre fou. Checo! Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe, l'opération avec Attilio? Tu les as appelés? Oui, oui, absolument. Tout se passe comme prévu. Mm-hmm. Fais attention avec ça, Checo. Tu sais que la contrebande qu'on fait, ce ne sont pas des bricoles. Alors sois très prudent, il y a beaucoup d'argent en jeu. Sois très attentif. Mon amour, mon chéri, tu es encore ici? Oui, oui, Gioconda, encore là. Mais jusqu'à quand? Attends, faut que tu sois patiente. Mais moi, je m'ennuie. Je sais. Attends un peu, Gioconda. Je t'en prie. Mon chéri, mais tu me manques. Caïman, c'est bon, on y va, allez. Allez. Dis-moi. Vous allez m'emmener tout ça au dépôt. Et on dispatche tout ça dès ce soir. Allez-y, Tout ça, Caïman, tout ça. Je vais chercher le chariot. Grouille-toi. C'est là aussi? Ouais. Vite, grouille-toi. J'y vais. Allez, vas-y. Ça y est? Oui. Alors maintenant, tu es à moi? Gioconda, regarde. Le voilà. Voilà ce que je t'avais promis. C'est pour moi, mon amour? C'est pas vrai. C'est pour toi. Merci! Bonjour, mon amour. Et Corinna, elle est où? Elle est allée chercher les résultats. Ah bon? Dans ce cas, je vais profiter de ce moment pour te rappeler à quel point je t'aime. Ah, mon amour, je suis si angoissée. Je pressens qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer entre nous, Reynaldo. Je ne sais pas, quelque chose me dit que c'est à cause de ce bébé qu'on désire tant. Et si cette fois ça marchait? Et si on arrivait enfin à l'avoir? Ouais! Ouais, génial! On va mettre un peu de piquant à cette balade! Allez, on y va! Ouais! Fais gaffe, mec, y'a du remous! Woohoo! Vas-y, accroche-toi! À bas bord! Accroche-toi, mec! Woohoo!
Attention, ça se court. Vas-y. Vas-y, Arthur. Non, fais pas ça. On braque, on braque. Allez, arrête de faire ça. Mais ça va très vite, on va se casser la gueule. On a failli passer. Oh, tu vas nous faire renverser. Il y a du remous, les mecs. Allez, on rame, là, allez. Attention, il y a un rocher, là. Sébastien. Anna Julia, je sais que c'est difficile, mais le traitement n'a pas donné les résultats espérés. Et bon, c'est juste que ton utérus n'est pas en mesure de retenir un embryon. C'est ça le problème. Allez, mon amour. Calme-toi, ma chérie. Allez, allez. Ça veut dire que... c'est définitif. Oui. Moi qui... aidais la moitié de Caracas à accoucher, je ne vais jamais savoir ce que c'est que d'avoir un enfant. Non. Pas un enfant biologique, non. Anna Julia. Reynaldo. Anna Julia. Reynaldo, Reynaldo. Laisse-la. Il faut qu'elle s'y fasse. Ce n'est pas facile. Bon, merci. On se voit plus tard. Merci. Anna Julia, ma chérie, pardon. Viens ici, ma chérie. Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ce qu'il y a, Tata, c'est que je suis une femme incomplète. Je suis née avec un ventre inutile et je ne pourrais pas être maman. Ne dis pas ça, ne dis pas ça, s'il te plaît. Donne-moi non, les non, analyses, tata, non, donne-moi non, les résultats. Non, Anna non, Julia, non. S'il te plaît, Anna Julia. Sébastien ! Sébastien ! Sébastien ! T'es où, mec ? Réponds ! Un ange. Cette fois, je suis mort. Regarde comme il dort. Pourquoi ? Pourquoi ? Anna Julia, mon amour. Toi et moi, on a vécu de tellement beaux moments. On a tellement ri. On a vraiment de quoi en être fiers. On était si heureux, ma chérie. Tu ne te rends pas compte? Heureux, mais tout seul. Non, non. Seul, mais heureux. Je ne peux pas m'y faire. Non, je ne pourrai jamais m'y faire. Nous, les femmes, on a besoin d'avoir des enfants. Écoute, mon amour, je crois qu'on est né pour ça. On a besoin de protéger, d'élever, d'éduquer. C'est ce qu'on appelle l'instinct de maternité. Mais on pourrait aussi l'appeler l'orgueil génétique. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi, mon cœur. Pardonne-moi. Mais je ne veux pas que cette histoire d'enfant nous sépare, mon amour. Toi et moi, on a toujours été heureux. Et on va continuer à l'être. Même sans enfant, hein? Allez. Reynaldo. Reynaldo, tu es très égoïste. Très égoïste. Pense à moi.
Pense à moi, tu sais très bien qu'il existe encore la possibilité de... Non, s'il te plaît, Anna Julia. Si tu veux vraiment me parler de mère porteuse, tu sais déjà ce que j'en pense, on en a déjà parlé, tu le sais. Mon amour, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Non, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Si je veux des enfants, c'est avec toi que je les veux. Ou alors, on en adopte, mais pas de mère porteuse, non, pas question. C'est entre nous ou rien, mon amour. Et c'est moi qui suis orgueilleuse, bien sûr. Bien. Anna Julia. Ah, pardonne-moi, Rinaldo. Je vous ai entendu sans le vouloir. Je suis vraiment désolée pour vous deux. Vraiment. Aïe, doucement. Ah, pardon, du calme. On arrive bientôt, d'accord? Du calme. Allez, résiste encore un peu. Allez, on est tout prêt, allez. On arrive à la maison. Fais encore un effort. Ah, oui, c'est bon, je vais tenir. Encore un peu et on arrive à la maison. Et je te soigne tes blessures, merci. Ok? Voilà, on est arrivé. Attends-moi ici pendant que je vais chercher quelque chose pour te soigner la blessure à la tête, d'accord? Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que la blessure à l'épaule, c'est le plus. Et ça me fait plus mal aussi. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que la blessure à la tête est plus dangereuse. Ça fait mal. On dirait qu'il y a un tas de jolies filles ici. Mais doucement! Toutes les filles sont aussi brutales par ici. Mais qu'est-ce que tu crois? Que la jungle qui fait de si jolies filles ne les rend pas aussi fortes et volontaires? Ça fait mal. Ça va faire un peu mal. Écoute, si tu n'étais pas aussi jolie, je penserais que t'es en train de me torturer. Les animaux méchants sont vraiment les plus peureux. comment ça fait mal. Tu es douillet. Et ça. Ça sert à quoi, en gros? Eh bien, c'était pour voir si... Si tu n'avais pas eu une ou plusieurs blessures cachées, eh bien voilà. Voilà. Tu es trouillard et beau gosse. C'est-à-dire une sale bête et à fuir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Tu ne dis plus rien? Non, pour rien. Ah, attention! Je regardais ma sauveuse. Mais dis-moi, tu es aveugle? Aveugle? Comment veux-tu que je sois aveugle? D'où tu sors que les aveugles s'amusent à sortir les sales bêtes de l'eau? Non. Non, attends. Je ne veux pas que tu te fâches contre moi. Je me demandais juste pourquoi il y avait autant de tristesse dans des yeux aussi beaux. C'est pas de la tristesse. C'est juste que moi, j'aime regarder au-delà du visage des gens. Voilà, c'est tout. Je donnerais n'importe quoi pour être un de ces pères qui s'amusent avec ses enfants. Et bien sûr, que tout le monde veut avoir des enfants, les voir grandir, qu'ils nous ressemblent. Mais ça, bien sûr, je ne peux pas le dire à Anna Julia. C'est clair que je veux un enfant, Valeria. Mais j'aime aussi ma femme, et si pour elle je dois renoncer à la paternité, je le ferai. C'est beau ce que tu dis, Rinaldo. Mais il faut que tu comprennes que la paternité est un acte purement biologique, et que, certaines femmes ne se sentent pas épanouies si elles n'ont pas d'enfants. Figure-toi que, depuis que je connais Anna Julia, ça a toujours été son rêve, être maman. Tiens, mon grand. Valeria, mais à avoir une étrangère dans ta famille, je ne sais pas, quelqu'un qui porte ton enfant dans son ventre pendant 9 mois, qui va lui transmettre je ne sais quoi, des mauvaises ondes, des sentiments négatifs,
Je ne sais pas. Ses sentiments, ses peurs, c'est un peu délicat, non? Ah, Reynaldo, sincèrement, là, tu me surprends. Ce raisonnement m'étonne vraiment venant d'un scientifique. Non, 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 oublie le scientifique. Valéria, il s'agit d'autre chose. Imaginons un instant que tu es la femme porteuse en question, hein? Tu as ce bébé dans ton ventre pendant tout ce temps. Tu lui parles. Tu le cajoles. Valéria, tu ne crois pas que tu te sentirais aussi comme la mère de ce bébé? C'est enrageant, Anna Julia. C'est enrageant. Je suis si désolée. On avait tous nos espoirs sur les 5% de probabilité que ça marche. Ma pauvre. Vous aviez tellement envie d'avoir ce bébé. C'est enrageant. Et le plus triste, c'est que Reynaldo lui-même me barre la route. Parce que je ne veux pas baisser les bras. Et je suis prête à essayer, à chercher une autre possibilité. Quelle autre possibilité il peut y avoir, Anna Julia ? Une mère porteuse. Chercher une mère, l'engager pour qu'elle tombe enceinte à ma place. Quoi ? Ah oui, admettons. Après avoir accouché, on ne s'en débarrasse pas comme d'un vulgaire hamburger qu'on remet au client. Valéria, est-ce que tu te sentirais capable de tant de froideur ? Bon, Reynaldo, c'est vrai que c'est une situation compliquée, mais... C'est bon, relax, calme-toi, tu veux bien ? Alors aide-moi, je t'en prie. Aide-moi, parle-en avec Anna Julia. Tu es son amie. Valéria, aide-moi. Aide-moi à lui enlever cette idée de la tête, s'il te plaît. Je ne sais pas, Anna Julia. En tant qu'avocate, je ne suis pas documentée sur ce sujet. Mais c'est illégal. Écoute, si tu payes une femme pour qu'elle soit enceinte à ta place, c'est comme si tu... Comme si quoi? Où est le problème? On fait ça pour des raisons strictement médicales. Juste pour ça. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant en engage une autre pour qu'elle l'aide et c'est tout. Et c'est tout. Anna Julia, mais c'est illégal. Écoute, je sais qu'il n'existe pas de législation claire à ce sujet, mais... En plus, au niveau technique, c'est compliqué. Non, non, Mahouja, ce n'est pas compliqué du tout. Écoute, d'abord, on conçoit un embryon avec le sperme du père et un ovule de la mère. Ensuite, on cherche une mère porteuse saine, on lui implante tout simplement l'embryon, et quand cet embryon grandit, se développe et naît, la mère porteuse le remet à la mère biologique, et c'est tout. C'est fini. C'est un processus scientifique. Où est-ce que c'est illégal? Tu la paies? Oui, Anna Julia, tu veux payer cette mère porteuse pour son service. Anna Julia, tout ce qui implique le commerce du corps est illégal. Anna Julia, s'il te plaît, ne va pas faire n'importe quoi, hein. Tu ne peux définitivement pas avoir d'enfant, d'accord? On est d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que tu es malade. Tu es en parfaite santé. Et en plus, tu as toute la vie devant toi. Tu dois en être reconnaissante. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis un arbre sec, mais en bonne santé. Je ne devrais pas me plaindre, hein. Anna Julia, vraiment, Reynaldo et toi, vous me faites tourner la tête avec cette histoire de mère porteuse. Je veux dire, tout à l'heure, il me disait qu'il n'était pas d'accord parce qu'il croit que la mère de cet enfant peut lui transmettre des choses négatives. Ou qu'elle peut lui transmettre des mauvaises intentions, ou je ne sais quoi. Reynaldo est un homme intelligent pour beaucoup de choses. Mais dès qu'il essaie de me comprendre en tant que femme, on dirait qu'il est complètement abruti. Ma chérie, tu ne t'es pas encore rendu compte que c'est un homme. Il ne ressent pas et ne ressentira jamais ce que peut ressentir une femme. D'accord. Alors dis-moi ce que je fais avec tout ça, Valéria. Qu'est-ce que je fais avec cette douleur que je ressens dans le ventre et qui me brise le cœur? Écoute, ma belle, c'est simple. Tu es une femme magnifique. Alors maintenant, tu vas aller te faire couler un bain avec des sels, te relaxer, te faire belle. Et après tout ça, tu vas accompagner ton mari à la soirée, et voilà. Ok? L'amour est fini, Juancho. Il s'est épuisé, la magie est partie. Mais est-ce qu'il y en a même eu un jour? Marugia, c'est ce que tu penses de notre mariage? Juancho, comment tu peux appeler ça un mariage? Ce n'est qu'une erreur de jeunesse! Oh non! 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 Non, non, monsieur Ismaël! Non, Ismaël Rivera, pardonne-lui! Pardonne-lui, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait! Tu peux virer tout ton carnaval des îles parce que je ne le supporte plus! Allez, allez, Marugia! Marugia, s'il te plaît! S'il te plaît, mais nom de Dieu! De quoi tu te plains? Tu sais très bien que je t'ai toujours laissé le contrôle du bac à légumes! Et toi, grand malin, tu as toujours eu le contrôle du bac à viande!
D'accord. Et quelle est la cause du divorce que tu vas invoquer, Maruja? Incompatibilité gastronomique? Parce que tu es végétarienne et moi carnivore? Moi, au moins. J'ai une bonne raison. Alors que toi, monsieur Gabaldon, tu n'aurais jamais une raison valable de demander le divorce. Ah non? Votre attention, s'il vous plaît. Vous savez le problème, monsieur le juge? Je suis fatigué. Moi aussi. Je suis fatigué de dormir sur un canapé dans ma propre chambre. J'en ai marre de manger de l'herbe. Tu ne manges jamais. Je suis fatigué de n'écouter que des symphonies. Parce que moi, ce qui me fait vibrer, c'est uniquement la bonne salsa cubaine. J'en ai marre des séances de yoga à l'heure des informations. Et pour en finir avec tout ça, comme avait l'habitude de dire je ne sais plus qui, tu me pompes l'air. Tu ne sais même pas qui est l'auteur de cette phrase. Quelqu'un qui t'a rencontré, c'est sûr. Bonsoir. C'est que je suis un peu en retard. Bonsoir. Au nom d'Inmedissa, je veux vous remercier pour votre présence ici ce soir et remercier spécialement, tout spécialement, l'ensemble des membres de la Fédération Medica qui ont permis la réalisation de cette cérémonie. Bienvenue à tous et c'est à vous, Docteur Espinosa. Merci. Merci beaucoup. Mais mon cœur, ça se fait déjà régulièrement dans d'autres régions du monde. Anna Julia, tu l'as parfaitement dit toi-même, dans d'autres régions du monde. Ici, il n'existe même pas de loi sur ce sujet. Ah oui? Et pourquoi on ne pourrait pas aller dans un autre pays pour le faire? D'accord, mon amour. Supposons qu'on aille tous les deux à New York. Qu'on mette une petite annonce dans un journal, qu'on fasse un contrat de location avec quelqu'un. Et après? À qui va être cet enfant? À toi et moi? Ou à moi et à cette femme? Ou mieux encore, Anna Julia, à tous les trois? Je t'attends dans la voiture. Tu es magnifique. Et vraiment, merci à tous. Ce soir, nous tenons vraiment à rendre un hommage mérité à un homme qui a su briller de ses propres feux. Cet homme qui a été le pilier fondamental de l'avancée technologique dans notre pays, et nous voulons parler de notre cher Gallo Gabaldon. Merci beaucoup. Je veux ici remercier le docteur Espinosa. Vous pouvez imaginer ce que représente cette récompense pour moi, alors que je ne suis pas médecin. Mais j'ai avec moi ici mes deux garçons, mes deux enfants docteurs, qui sont vraiment
ma plus grande contribution à la santé. C'est là que mon cœur se serre, parce que c'est plus que ce qu'un homme comme moi peut espérer. Il me reste juste à remercier Dieu pour m'avoir offert ce moment et ce prix. Merci. Merci. Je veux vous dire que ce prix, c'est aussi le vôtre. Merci. La dernière. Ok. Eh oh, et la clé? Mais c'est pas toi qui l'as? Bah non, on te l'a pas donné. Mais t'hallucines, je l'ai pas. T'es complètement à la masse, mec. Anna Julia, viens ici, il pleut, attends-moi. Mais tu es devenue folle, mais où tu vas? Tu ne te rends pas compte qu'il pleut? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Rinaldo, pourquoi Anna Julia a quitté la cérémonie? Je vais aller la chercher, papa. Et je t'en prie, ne lui en veux pas, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous a donné une bien mauvaise nouvelle. Quoi? C'est définitif. Anna Julia et moi, on ne peut pas avoir d'enfant. Ah bon sang. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Je suis désolé, Rinaldo. Je suis vraiment désolé. Mais fais attention, hein. Il ne faut vraiment pas que ça devienne un problème entre vous. Je l'espère aussi, papa. J'espère que non. C'est bien. Maintenant, je dois m'absenter parce que je dois passer un coup de fil. Non, papa. Lâche ce téléphone. Allez, c'est ta soirée. Arrête avec le travail. Profites-en un peu. Fais-toi plaisir. Tu as entièrement raison, mais je ne peux pas faire autrement. Les Gabaldon, on est comme ça. Esclaves du devoir. Papa, allez, je reviens. Je l'espère... Un pour toi. Bisous. Encore un bisou. Oui. Ah non, un seul. Un chacune, d'accord? Bon. Attends un peu. Un moment. Associé, j'arrive. Dans la chambre, allez, au jacuzzi. Allez, on va au jacuzzi. Associé. Non, ça c'est prêt. Il faut juste se décharger et envoyer. Oui, monsieur. J'aime bien ça, Attilio. Que tu viennes me donner toutes ces bonnes nouvelles. Surtout un jour comme aujourd'hui, où j'ai déjà les chevilles bien gonflées par tant de prix et tant d'hommages. Félicitations. C'est dommage que je n'y sois pas allé. Mais bon, tu sais à quel point cette opération est importante. Et comme elle est délicate, Attilio. Très délicate. Non, du calme. T'inquiète, on aura tout le temps de prendre un petit verre et de faire la fête, de faire les calculs. Ils vont être bons avec ce petit voyage, hein? Oui, préviens-moi quand la marchandise sera de l'autre côté. Regarde. Pourquoi c'est là, ça? Et le regard est ouvert, hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Caïman, viens là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le regard est ouvert? Ça doit être parce qu'ils n'ont pas trouvé la clé. Comment ça, ils ne la trouvent pas? Eh bien, cherche-la. Bon, allez, on y va. Allez, viens, on va voir. Dis-toi, elle est passée où, là? Votre faute. Ah, merci.
merci. Par ici. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'emmener à Caracas pour que mes amis te rencontrent. Ou non, non, mieux encore. Je vais faire venir mes amis pour qu'ils te rencontrent. Ou non, non, encore mieux. Je préfère que tu sois le secret le mieux gardé de la jungle. Tu ne touches pas à ma fille. Ah ! Papa ! Tu l'as tué ! Mais où est passée mon amie ? Où est passée cette femme courageuse et forte que je connais ? Où est ce médecin ? Ce médecin qui ne recule devant aucun accouchement difficile ? Cette femme qui a donné sa vie pour moi ? Tu crois que je ne me souviens pas à chaque minute de ma vie ? Que je suis ici, sur cette terre, grâce au fait que tu m'aies permis cette greffe? Non, Valéria, il ne faut pas que tu penses à ça. Comment ça, ne pas y penser? Mais c'est la vérité. Non. Anna Julia, tu n'es pas juste mon amie, tu es bien plus que ça, tu es comme ma sœur. Et chaque fois que tu réagis comme ça, que tu te sens mal, qu'il t'arrive quelque chose, ça me fait mal, mon cœur se brise. Ma chérie, dis-moi, je t'en prie, il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire, pour pouvoir te rendre, pour pouvoir enfin te redonner le sourire, ma petite chérie. Non. Non, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu en es certaine? Et si c'était moi qui te prêtais mon ventre pour faire venir ton enfant au monde? Toi? Et pourquoi pas? Si ton enfant a besoin d'un ventre pour venir au monde, je te donne le mien. Palabras para definirte mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo que responder a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras del corazón.